habituée, une recette au compagnon, des bucatini à la matriciana. C'est Soren qui a choisi cette recette. Hop, voici le visuel dans le livre de recettes compagnon et moi, dont vous retrouvez la référence et le lien de commande direct en barre d'informations. Donc on attend que petit Soso termine ses multiplications et on s'y met. Non, parce que j'ai une banque seule. Oui, on attend que tu aies terminé et on s'y met. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est absolument gratuit. Ça vous permet juste d'avoir dans votre fil d'abonnement, dans votre fil d'actualité, en avant-première, les vidéos qui viennent de paraître. Ça vous permet de n'en louper aucune. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram, vous avez tous nos comptes en barre de description de la vidéo. Je vous laisse de suite avec la recette. Allez, c'est parti, j'ai mon petit commis de cuisine. Alors la recette, elle est ultra rapide et ultra simple. Il va vous falloir 3 gousses d'ail que vous avez préalablement épluchées. Il y en a 4. Oui, en fait, il y en a une que j'ai coupée en deux. Et vous allez d'abord mettre le hachoir dans le robot. Le hachoir, mon cœur, ça c'est le mélangeur. Celui-là. Vas-y. Les 3 gousses d'ail. Ok, et maintenant on va démarrer le robot en vitesse 11 durant 10 secondes. Maintenant, tu vas mettre le mélangeur. Tu vas ajouter un petit peu d'huile et tu vas laisser la place à ton frère. Vous pouvez tout à fait mettre de l'huile d'olive. Moi, c'est vrai que j'en achète pas forcément d'huile d'olive. Tu peux mettre un petit peu plus, je pense. N'importe quelle huile, ça fait l'affaire, de l'huile végétale. Hop! Et maintenant, Liam, tu vas attraper la pancetta, je ne sais pas comment on dit. Et tu vas la mettre dans le robot. Je l'ai coupé, vous avez vu, en petit, voilà, pour éviter que ça fasse un gros paquet. Je l'ai coupé en petits morceaux. Je pense que ça va se détacher, je l'espère. Attends. Très bien. Donc tu vas appuyer sur le bouton slow cook, c'est le bouton rose, et tu vas démarrer pour 5 minutes pendant ça. Pendant ce temps-là, on va un peu ranger et nettoyer ce qui traîne sur la table. Voilà, donc ça nous donne ça. Effectivement, on a un petit peu la pancetta qui s'est enroulée. J'aurais dû la couper peut-être plus finement, c'est chaud. Bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre la tomate. Donc 400 g de chair de tomate nature. Qu'est-ce que tu veux faire, Soren? Je sais pas. Rien, c'est fini. Bon, voilà, Soren va mettre celui-là. Et Liam va mettre le sel et le poivre. Ce que tu peux faire, Soren, c'est aller chercher, tu sais, la petite perle. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. On sale et on poivre. Vous avez, je me répète à chaque fois, mais les liens Amazon vers ma salière poivrière en barre d'informations, ils sont juste trop jolis, j'aime bien, ils sont super pratiques et la contenance, elle est assez importante, ça vous permet quand même d'avoir pas mal de grains de poivre à l'intérieur, et en plus on voit où on en est parce que c'est transparent. Je le trouve très pratique, ils marchent très très bien, ça fait un petit moment qu'on les a maintenant, ils sont super. Il y a des spaghettis.
Les spaghettis, on les fera au dernier moment. Ce ne sont pas des spaghettis, ce sont des bucatini. Ça ressemble à des spaghettis. Donc, salé, poivré, c'est fait. Et donc maintenant, on va lancer le programme. Il va juste falloir baisser. Attends, c'est Liam qui va le faire. Baisser le temps à 35. Non, mon cœur, le temps. À 35. Et Soren, tu vas démarrer. Et voilà, on va laisser cuire tranquillement 35 minutes. Des pâtes qui ressemblent à des spaghettis et qui sont... Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, des spaghettis qui sont... Je ne sais pas si on voit bien, je suis à peu près... On ne voit pas bien, mais qui sont trouées. Donc elles sont un petit peu plus épaisses que des spaghettis et trouées. Tiens, ma bébé. Voilà, alors moi je n'ai trouvé qu'en marque Panzani, mais... Peut-être que d'autres marques proposent ces pâtes-là. Vous pouvez, je suppose, utiliser des spaghettis à la place. Hein, voilà. Mais on va suivre la recette. On va le faire avec cette variété de pâtes.